Bonne émission. Carme, l'anti-gala 2010 vous est présenté par Yop. Yop, oui, quand le matin chante. Cette émission est une présentation de Street Dance 3D. Au cinéma, dès le 1er octobre. Hey! Bienvenue à Curve, l'Anticala! Sans plus tarder, je demande à Yann et Glenn et Cheryl Sauvé que c'est ton gars de ce monde de
applaudissements de notre DJ aux cheveux longs, Steph Boucher! Yeah! C'est bon! Ouais! Ça, quand même, ça, pas, c'est mal bon, pas mal. Ouais, pas mal. Ce soir, c'est votre anti-gala. Vous étiez nombreux à aller voter pour déterminer les gagnants. Avez-vous hâte de leur remettre vos trophées? Oui, j'espère. J'en viens juste pas, Yann. De quoi ça? Ben, as-tu vu la liste d'artistes invités? Ah non, je sais, t'as liste. Regardez, toutes vos vedettes sont ici dans la salle et ils sont ici pour vous. Ça va être une soirée hallucinante. Oui. Une méga soirée super hot. En fait, oui. Hot, ça c'est le bon mot, parce que peut-être aussi hot que le gars qu'on a choisi pour venir présenter les prix aujourd'hui. Ah oui, ça j'avoue, parce qu'il faut dire que c'est une méchante machine de guerre. Oui, en fait, c'est une arme de séduction massive. Ah, tout à fait, un méchant pétard. Oui. Notre hôte de la soirée, les filles, prenez une grande respiration. Et joue le grand frère dans l'émission Les parents à Radio-Canada, Joël Scarpellino! Bonsoir. Joey, t'as un trophée. Ouais. Cette année, c'est très important de le préciser, le trophée est complètement anti-gala. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se tient sur les mains, la tête à l'envers. Fait que si vous voulez pas avoir l'air fou, faut le tenir comme ça. C'est bon, ça c'est clair. C'est bon. Parfait. Yann? Oui. Peux-tu me faire un exemple d'un animateur bien banal? Un animateur bien banal? Yeah. Oh. Un animateur anti-gala! Oh, oh, oh. On va t'entendre, on va t'entendre. Alors, vous prêts? Ah, oui. Alors, pour présenter les nommés, enfin, dans la catégorie, je prendrai un pédalo jusqu'à Hollywood pour prendre une photo de cette star. On a des gars qui sont méga internationaux. Enfin, ils ont vendu plus de 7 millions d'albums à travers le monde. Ils ont joué partout, mais ils viennent de chez nous. C'est bon point! Bonsoir tout le monde! Comment ça va? Hey, comment te fais-tu bruit? Bon. Ça va bien, toi? Ah oui, ça va, toi? Super en forme. Écoute, on va commencer. Alors, dans la catégorie, je prendrai un pédalo jusqu'à Hollywood pour prendre une photo avec cette star. Meilleur acteur ou actrice internationale. Hey, salut! Ça va? Prendre un pédalo jusqu'à Hollywood, c'est impossible, ça. Ben oui, c'est possible. Tu passes par le canal du Panama. Ah, c'est ça. Bon, on va les nommer. Les nommés sont Angelina Jolie, Robert Pattinson, Miley Cyrus, Johnny Depp et Taylor Lautner. Vas-y, je vais passer la main d'ouvrir l'enveloppe. Et le gagnant... ou la gagnante. J'ai vu une grosse excitation pour le dernier. Ouais. On va voir. Allons-y. Bien prends emballé, pas, ça. Prends pas ton temps. Hein? Prends pas mon temps. On est pas en... Oh, 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 ben, je pense que c'est ça. Vous avez... Oh, Taylor Lautner! Là, les gars, j'aimerais ça que vous me rendiez service. Ouais, est-ce que vous pourriez le donner le trophée à ma place? Parce que je pense que vous avez pas mal plus de chances de le croiser que moi durant vos tournées. Ouais, ben, tu t'en penses? Ouais, je pense que... Ouais, on peut faire ça une mission. C'est pas mal, les boys! Il y a à peu près un mois, on a mis une chorégraphie de danse sur Internet, sur le site de VRAC TV, que vous deviez apprendre. Alors, c'est le moment de nous montrer à tous vos talents de danseurs. Alors, tout le monde debout! On se lève, tout le monde! On se lève à l'extérieur! Ouais. On se lève à l'extérieur! Alors, avec les danseurs de la troupe du Cave, c'est notre flash mob! Nous allons danser sur Jacuzzi de Radio Radio. Suivez-nous dans 3, 2, 1! Yeah. Attention! Ça vient de la place en masse dans votre épouse. Qui voulez-vous aller dans
encore. On est encore sous l'effet. Si vous en voulez encore, bien évidemment, restez avec nous parce qu'après la pause, on vous présente la catégorie. On serait 15 pour les récompenser. Oui, on continue à danser! Bravo à Marianick, notre grande gagnante du concours CARF. L'Antigala 2010, comme tu le veux, grâce à Rogers. Rends-toi sur vrac.tv pour voir toutes les photos. Oh, quand je me réveille le matin, je bouge pas du lit. Je ne veux pas du pain de gruau ni de céréales. Donne-moi un yop, c'est ce que je vois en premier. Ouh, donne un yop, ma maman. Ouh, yop, ma maman. Donne un yop, ma maman quand le matin chante. Donne un yop, ma maman. Yop, ma maman. Yop, oui, quand le matin chante. L'Antigala 2010. Bon, Chélie, je sais pas si tu vois, mais on a énormément de vedettes dans la salle ici aujourd'hui. Bon, Chélie et moi, c'est notre première Antigala à vie. Alors, j'ai décidé de prendre quelques photos aujourd'hui. En fait, c'est pour des souvenirs, mon album personnel. Alors, par contre, étant donné que c'est un Antigala, ben, je crois qu'on est obligé de faire des anti-photos. Alors, en premier, je vais aller voir ben, Véronique Lucie, qui est habituée de faire beaucoup de galas. Excuse-moi, Charles, ça va bien, Charles? Ça va super. Hey, boy, très élégant. Wouhou! Véro, bonjour. Tiens, veux-tu te lever? Excuse-moi, je te l'emprunte 30 secondes. Bon, c'est bon. Véro, je veux savoir. Attends, je t'ai fait de l'ombre dans la face. Bon, tu es magnifique. Ah, ben, merci, elle est habituée. Je veux savoir, Véro, toi qui es habituée de tous les galas, t'es toujours magnifiquement belle, un beau sourire et tout ça. Là, il n'y a pas de quoi. Mais attends, attends de voir ce que je vais te demander de faire. Oui. J'aimerais ça, Véro, pour tous nous autres, que tu nous fasses ta face la plus lette. OK? Attention, dans trois. Hey, j'en ai plein, là. Ah oui. Mais ma top 1. Méga. OK. 3, 2, 1, go! All right! Ah, c'est pas pire. Je suis pas capable de mettre les yeux croches. J'essaie. C'était pas pire. Ça, c'est mieux? C'est excellent, ça. Merci, ça, Véro. Ça me fait plaisir. Merci. Bon, maintenant, je vais aller voir. Ah, Magali. Charles, m'assois sur toi. Allô. Ah, Charles. Ah, Magali, Hervé, vous allez bien? Salut, oui, bien? Très bien. Alors, je vous demanderais de vous lever, s'il vous plaît. Ah, oui. Oui, on se lève, on se lève, on se lève. Ah, oui. Alors, je vous demanderais, sur une piste de danse, quel est votre move du tonnerre? Ah! Go! 3, 2, 1, go! Oh my God! Ah ouais! OK! C'est pas prêt! Merci beaucoup! Ah, ça! Soivez! Maintenant, je veux pas vous énerver, mais Véronique, Marie-Lou, Patrick, on est maintenant rendu à votre catégorie. Shelley! Oui, en effet, Yann, le moment sérieux maintenant, mais ça va être super beau sur Facebook. Alors, pour présenter la catégorie, on serait quart de ne pas le récompenser. Écoute, bon, c'est le premier Canadien à remporter la médaille d'or chez lui, dans son pays, lors des dernières Olympiques à Vancouver. Il est le champion olympique en ski acrobatique, Alexandre Bilodeau! Bonsoir tout le monde. On a-tu du fun? Dans la catégorie, on serait bien cave de ne pas la récompenser ou le récompenser, ou personnalité de l'année. On a Véronique Cloutier, Marie-Mé, Louis-José Houd, Guillaume Lemaitre-Vierge, Patrick Huard, Martin Matt, Céline Dion, Marie-Lou Wall, Yann England, Rachid Badouri et le gagnant ou la gagnante est... Marie-Mé. Félicitations. Oh, ben oui. Bon. Bon, profite. J'en viens pas. Maintenant, je le tiens à l'envers. Ah, ben oui, comme ça, comme ça. Ben oui. Parfait. OK. Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, puis vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de pouvoir vivre de ce métier-là. Merci beaucoup, si je vous aime. La sensation
l'impression que j'ai là quand j'ai les deux pieds sur une scène puis que j'ai la chance de chanter devant des gens comme vous ce soir. Vous êtes en feu. Je vous aime. Puis je veux que vous sachiez une chose. Je veux que vous sachiez une chose, mon métier, je le fais que pour vous. Peu importe votre âge, que vous soyez un gars, une fille, je fais pas ce métier-là pour les voyages, pour les photoshoots, je le fais pour chacun d'entre vous. Puis tant que vous, vous allez être là pour moi, moi, je vais être là pour vous. Je vous aime tellement. Merci! Merci! On vous a dit que le gala était sous le thème du glamour, donc vous allez découvrir, disons, des talents cachés de vos vedettes préférées. Mais disons que le prochain artiste, lui, il pourrait très bien aller dans la catégorie artiste qui s'apprête à s'illustrer dans une discipline qu'on s'imaginait pas pantoute. Tout à fait. On les retrouve avec les danseurs du Carve, tiens, sous la direction de Geneviève Derion-Coupal. Merci beaucoup. Dans un numéro de tap dance à son image, voici pour vous Patrice Bélanger. Wouhou! On a une jeune fille qui croque les stars hollywoodiennes et c'est elle qui est animatrice des capsules Paparazzi. Veuillez accueillir Mélissa Paradis! Salut, ça va bien? Wouh! Vous êtes en feu ce soir! On aime ça! OK. J'arrêtais pas de danser en arrière. Dans la catégorie, j'ai tellement écouté cette chanson que même mon chien en fredonne les paroles. Ou chanson préférée de l'année. Cool. Les nommés sont Waving Flag, Kanan, avec la participation de Will.i.am et David Guetta.
Gaga avec la participation de Beyoncé. TikTok, Kesha. Memories, David Guetta avec la participation de Kiska. In My Head, Jason Derulo. Et le gagnant ou la gagnante est... À vrai dire, moi je sais c'est qui le gagnant. Ouais, je l'ai même rencontré. J'ai pu prendre une photo avec elle. Par contre, ça n'a pas été facile. J'ai dû combattre 4 bodyguards plus 2 personnes de son entourage. Voici la preuve. Vous voulez savoir c'est qui? Donc, pour la chanson préférée de l'année, TikTok, Kesha. Merci beaucoup, Mélissa, de lui avoir remis le trophée. Ben oui, merci beaucoup. Vous avez à l'Antigala, tout est permis. Et après la pause, on vous réserve toute une surprise et on vous dévoile aussi l'athlète de l'année. Alors, manquez pas ça. Wouh! Je te dis, jusqu'à maintenant, on a eu quoi? On a eu de la musique, on a eu de la danse, on a eu du sport. Mais là, je crois qu'il nous manque une chose dans notre gala, c'est de l'amour. Oh, si, si, seigneur! Un peu de passion, là! Oui. Un peu de genre Angelina Jolie et Brad Pitt. Oui, oui. Mais en fait, à vrai dire, là, le couple qui s'en vient de présenter le prochain prix qui va être elle plus lui égale vraiment trop malade. Ah. Ils sont beaucoup plus hot que Angelina Jolie puis Brad Pitt. En fait, ils sont un vrai couple dans la vie. Ils se sont rencontrés sur un plateau de tournage et aussi il faut dire qu'ils représentent la fougue, le talent mais aussi la passion et l'amour. Une bonne mêlée d'applaudissements pour Myriam Brûlé et Jason Roy Léveillé. Bonsoir, bonsoir. Alors, on est très content d'être ici ce soir pour vous présenter la catégorie Elle plus lui égale trop malade. Alors. Excusez. Excusez. Oui. Je pas c'est juste parce que, tu sais, Shelley et moi, on dit, waouh, ok, c'est le couple comme de là, c'est comme la passion, amour et tout ça. Puis là, ben. T'sais, peut-être que vous pourriez... tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça qu'on est en train de faire. On présente le couple de l'année. Oui, non, ça c'est sûr, mais je veux dire, ça serait le fun, t'sais, peut-être si vous pouviez, mettons... Peut-être demander aux gens comment ils vont, peut-être. Êtes-vous en forme, tout le monde? Peut-être. Non, c'est pas ça. En fait, plutôt, je pense que ça serait le fun. Ok, je comprends. Leur dire qu'on les aime. On vous aime! Oui, non, ils vous aiment. Oui, non, mais attendez, alors, je vais vous dire... Non, je pense que ça serait le fun... Ce serait le fun si on pouvait avoir un gros French! Hein? Ok, ok. Attention pour vous, le French! Il y a du glace après ça! Maintenant qu'on peut dire les nommer, dans la catégorie Elle plus lui égale trop malade, donc ceux que vous aimeriez voir en couple, les nommés sont Louis-José Houde et Marie-Mé, Yann Englen et Magali Lépine Blondeau, Guillaume le Métis Vierge et Marie-Lou Wolfe. Guy Jodoin, arrête de siffler parce que c'est Guy Jodoin, Sylvie Moreau! Et Alexandre Despaty et Marie-Mé. Alors, les gagnants sont. J'ai besoin d'aide, c'est vrai. Non, j'ai un peu. C'est qui?
Guillaume le Médivier, les Marguerite! Ouais! Merci! C'est très drôle. Mais Mimi, t'avais l'air un petit peu émoustillée. Merci tout le monde. Guillaume ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est en tournage, mais il aurait vraiment, vraiment aimé ça. Ce qui m'étonne, c'est un couple que vous aimeriez aimer être, qui soit en couple, rien à misère à dire. Mais on est en couple, qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille plus vraiment dans Ramdam ou dans des émissions jeunesse. Mais de savoir que vous ne nous avez pas oubliés, ben, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie Wolf! C'est Yann qui pensait à ça, ce qui est le fun avec l'Antigala. Là. Oui. C'est vraiment la rencontre des idées, c'est le mélange des genres, la fusion des talents, tout ça au profit d'un seul numéro unique. Mon Dieu, chez Lisanne, c'est vraiment très poétique ce que tu es en train de dire là. Ouais, ouais. Alors imaginez, mettons, si on rassemblait ici même la crème du football, du soccer, du ski acrobatique, mettons, du patinage de vitesse et de la boxe, tout ça sur un même numéro, ici à Carl Antigala. Est-ce que vous aimeriez ça? DJ Music! C'est trop si bas.
présenter les prochains nommés dans la catégorie de vos sportifs préférés. Deux gars qui adorent parler de sport. Lui, il le fait professionnellement lorsqu'il décrit les matchs du Canadien de Montréal à la RDS. Et l'autre le fait plutôt de façon amateur chez lui en mangeant les ailes de poulet. Joël Bouchard et Patrice Bélanger! Bonsoir tout le monde! Hey, bonsoir, bonsoir! Salut Joël! Excusez-moi, mais c'est vraiment un honneur pour moi de présenter un trophée avec toi. Hey, ce gang, c'est un ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey! Come on! Merci, mon ami. Merci beaucoup. Je vais demander, pourrais-tu peut-être me donner juste quelques petits trucs? T'es tannant avec ça, tu me fais tout le temps le coup des cours de hockey, là. Je vais faire une échappée, OK? Bélanger contre Bouchard. Bélanger, Déjoux, Bouchard. Lâche-moi! Va chercher la balle! Vas-y! Tranquille pour une couple de secondes. Dans la catégorie, avec lui ou elle, comme professeur d'éducation physique, même la marche rapide serait passionnante. Ou athlète de l'année. Les nommés sont Joanie Rochette, Alexandre Bilodeau, Yaroslav Halak, Alexandre Despatchy et Sidney Crosby. À toi les honneurs, Joël. Oh boy, les honneurs. Tiens-moi ça, mon ami. C'est-tu tes vrais hockey, ça? C'est la bonne hauteur. Ouais, c'est la bonne grandeur. C'est. Merci, Joël. Toujours un plaisir. C'est toujours agréable. OK. Oh! Joanie Rochette! Salut la gang du Cave. J'aimerais beaucoup être avec vous ce soir au gala, mais malheureusement, je suis à l'extérieur du pays, encore pour le patinage. Mais merci beaucoup d'avoir voté pour moi, pour le prix de l'athlète de l'année. Ça me fait vraiment plaisir, c'est un grand honneur, donc merci. Mais surtout, merci de m'avoir supporté, de m'avoir envoyé plein de beaux messages durant les Olympiques. C'est ce qui m'a donné la force de continuer puis de faire ma compétition. Donc merci pour ça. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de gala. Nous, parce qu'après la pause, on a une Lady Gaga, comme vous ne l'avez jamais vue encore. Bravo à Marianick, notre grande gagnante du concours CARF, l'Antigala 2010, comme tu le veux, grâce à Rogers. Rends-toi sur vrac.tv pour voir toutes les photos. Et c'est à Chili et à moi qu'on vient le privilège de présenter la prochaine catégorie. Humoriste préféré. Je rêve qu'il soit le frère de mon père pour que je puisse enfin rire d'une joke de mon oncle. Ouais. Alors, les nommés sont Martin Matt, Jean-Marc Parent, Rachid Badouri, Louis-José Aude et Jean-Michel Antil. Et le gagnant est... Puis c'est vrai finalement que c'est difficile d'ouvrir ces enveloppes-là. On comment ça se carre? Comment ça se carre? Même affaire. Ah, hein, c'est pas chic mon affaire. OK, on y va. Oh, Louis-José Aude! Aujourd'hui, mais ils ont préparé un petit quelque chose. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, je ne peux pas être là ce soir. J'accepte avec joie ce prix de meilleur blagueur. Hein? Je le vois comme ça, je suis un blagueur et je blague et je vous remercie de rire des blagues. Je vous embrasse un par un. Prenez-vous une chaise, ça risque d'être long. Bravo, Louis-José! Maintenant, chanteuse ne fait jamais rien comme les autres. Et elle ne fera pas exception ce soir. Voici pour vous une Lady Gaga très spéciale qui vous interprète Bad Romance. Oh,
Chansons, son look, ouais. Ses chaussures. Oui, puis je dois dire, j'aime félicitations, tout. T'es bonne pour moi. Oui, non, merci bien. T'as très bien fait merci. Ça. Ah, ben oui, Émilie Bégin. Merci beaucoup. Émilie, tu vas rester là parce que c'est temps de présenter la prochaine catégorie. Pour ce faire, on a deux gars qui, dans leur carrière, tournent en rond, mais on n'a pas de problème avec ça. Il s'agit de François et Charles Lamarin. Bonsoir tout le monde. Ça fait un très grand plaisir pour moi d'être là ici ce soir pour présenter un prix. Parce que je suis là aussi. Puis, ben moi, c'est un honneur. Ben moi, c'est un très grand honneur. Ben là, moi, je capote. Regarde, OK. On n'est pas ici pour s'assigner pour savoir qui est plus heureux, là, plus content d'être là, là. Donc, dans la catégorie « Je raterai ma vie avant de rater cette émission », les nommés sont une grenade avec ça, le hockey, les frères Scott, les Simpsons, et il était une fois dans le trouble. Et le gagnant est... Les gagnants, ils me font passer un peu à moi puis toi. Ils s'ostinent des fois, mais dans le fond, ils s'aiment pas mal, je pense.
deux frères comme nous, les frères Scott. Évidemment, les frères Scott sont pas là. Hein? Mais laissez-moi vous assurer qu'on va faire tout pour leur mettre le trophée. Puis aussitôt qu'on a des photos, des vidéos, on va tout mettre ça sur le site de Carl. Fait que surveillez ça. Merci. Bravo, frère Scott. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on retrouve Ian Englin avec l'équipe d'Une Grenade avec ça dans un spectacle chanté. Ouh, vous allez vraiment triper. Manquez pas ça. Bravo à Marianick, notre grande gagnante du concours CARF, l'Antigala 2010, comme tu le veux, grâce à Rogers. Rends-toi sur vrac.tv pour voir toutes les photos. Vous êtes de retour à CARF, l'Antigala 2010. Vous savez, on a énormément d'artistes sur la scène, mais pas juste ça, il y en a plein dans la salle! Ouais! Je m'en laisse, si je me tourne, puis oh, c'est pas difficile à manquer. Une jolie Annick Jean, comme toujours, aussi belle, hein? Toujours aussi belle. Patrick Huard, bonjour. Est-ce que vous êtes un couple? Non, c'est une farce. C'est une blague. Jessie, fille de Patrick aussi, qui me disait pendant la pause qu'il regarde des vracs. Salut, Jessie, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. As-tu des coups de cœur à vrac? Ben, quand j'étais jeune, j'écoutais Anna Montana. Ah, ben oui. Puis, ben oui. J'écoute aussi. J'écoute aussi. Une grenade avec ça. Une grenade avec ça! Ben, sais-tu quoi, Jessie? C'est bon parce que justement, on a une grenade avec ça qui va vous interpréter une version remixée de la comédie musicale de Michel Tremblay et François Dompierre. Voici pour vous, demain matin, Montréal Matin. Restez là pour présenter la prochaine catégorie. Oui, avec plaisir. Certainement. Alors, dans la catégorie, je vois de mieux en mieux de loin.
Dans la catégorie « Même si cet acteur ou cette actrice du Québec jouait une tranche de fromage dans une pub, je la regarderai en boucle ou acteur ou actrice québécois, québécoise préférée. » Alors, les nommés sont Louis-José Houd. Allez, bon. Patrick Huard. Allô, aussi, c'est un très bon acteur. Guillaume Lemaitre-Vierre. Ah, très bon acteur, je serais plus longtemps. Marie-Lou Wolfe. Ah, belle et bonne comédienne. Et Guy Jodoin. Bon animateur, lui. Et le ou la gagnante, vas-y donc. Regarde, c'est moi qui vais essayer de déchirer ça. Ah, tu vois pas clair, je t'aide. Je vois même pas ce qu'est la carte. Regarde, pointe ici. Merci, c'est pas évident quand même. C'est pas juste l'âge, là. Ah, non. Ça prend des ongles. Oui, voilà. Je me permets. Je te remercie pour l'âge. Et voilà. Alors, la femme du groupe. Marie-Lou Wolfe! Honnêtement, à chaque année, vous me récompensez et je suis toujours aussi surprise. Vraiment, j'apprécie énormément. C'est une bouffée d'amour que vous nous donnez à chaque fois. Ça me donne le goût de continuer. Puis, je serais prête à jouer une tranche de fromage. Patrick, veux-tu m'engager? Je sais pas comment je ferais ça, là, mais en tout cas, merci. Je vous aime. Si vous saviez comment je vous aime, vous me donnez le goût de continuer. Ça, j'ai fait 8 ans de random. J'ai appris mon métier avec vous. Puis, c'est grâce à vous que je continue de le faire. Merci. Bravo, Marie-Lou! Deuxième prix ce soir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on a une prestation de The New Cities! Oh. Gala 2010 et nos prochains présentateurs, elle, vous l'avez découverte grâce à Mixmania et maintenant elle anime à la radio d'énergie et lui, disons qu'il vous a fait découvrir les joies et aussi les niaiseries de la colocation avec son émission Franck et Girard à VRAC TV. Cet automne, ils seront à la barre de la nouvelle émission Regarde-moi quand je te parle, voici pour vous Julie Saint-Pierre et François Bernier. C'est la noire. Bonsoir, Julie. Bonsoir, François. Tu es ma foi resplendissante. C'est tu es gentil. À croquer. Ah, ben je peux pas en dire autant de toi, là, mais ça me fait vraiment plaisir. T'es méchante. Non, mais c'est des blagues. Et c'est pas drôle. C'est des blagues, François. Je t'aime plus, Julie. Ben là... Je t'adore. Donc, dans la catégorie « Cet animateur » Ou animatrice. Oui, est tellement bon. Ou bonne. Oui, qu'il rendrait même captivante. Ou captivant. Non, ça ne se dit pas, par exemple. Une émission okay. Sur les poils de nez. Ou animateur d'émission de télévision préférée. Julie... peut-être une petite question indiscrète, toi. Est-ce que tu te trimes les poils du nez? Ben là, penses-tu vraiment que je vais répondre à ça, François? Je sais pas. Bon, alors, non, je répondrai pas. Les nommés sont Véronique Cloutier, Patrice Lécuyer, Yann Englen, et Charles Lafortune. Oh. Et attention. Vas-y, François. Et le gagnant est Yann Englen. Oh, boy.
OK. Bon. Ben, premièrement, mon Dieu, mais merci beaucoup. Premièrement, être en nomination dans cette catégorie-ci, je pourrais pas l'être vraiment sans ma co-animatrice de fan club, parce que si vous m'avez nommé, c'est parce que j'ai une méga co-animatrice qui s'appelle Magali Épine Blondeau, avec qui j'anime fan club. Et sans elle, je serais pas l'animateur que je suis. Et vraiment, cette émission-là, c'est nous deux. Je veux remercier toute l'équipe, évidemment, de Fan Club, parce qu'on est une petite équipe, et c'est vraiment, tout le monde se pousse, puis vraiment, on trippe à fond. Et en même temps, ils nous laissent faire toutes nos niaiseries. Mais surtout, Magali, c'est grâce à toi. Merci. Je sais, premièrement, ouais, il y a des animateurs ici, comme Véronique Cloutier, que j'admire depuis tellement d'années que je vois à la télévision. Tous ceux, Patrice Lécuyer, tout ça. Waouh, c'est hallucinant. Alors, merci à vous. Ben, pas merci à vous autres, mais merci enfin d'avoir fait autant d'animation avec Charles Lafortune et tout ça, que ça fait longtemps que je vois avec Chasse à l'homme, où est-ce qu'il joue un monsieur très, très, très méchant. Ça m'avait beaucoup inspiré pour d'autres affaires, d'autres personnages. Oui, je le sais, Charles. Merci énorme à toutes vous autres ici dans la salle, à la maison. Merci d'avoir voté. Vous êtes extraordinaires. Vraiment, je vous adore. Vous êtes présents. Et ce qui est vraiment extraordinaire avec vous, c'est que vous nous poussez toujours à essayer de rendre l'émission meilleure. Et vous êtes tellement de bons juges. Des fois, quand vous aimez ça, vous nous le dites. Quand vous n'aimez pas ça, aussi, vous nous le dites. Alors, merci beaucoup à vous autres. Woo! Je attendais vraiment pas. Pas du tout, pas du tout. Alors, ben écoutez, le prochain groupe, je pense que vous les connaissez. Si je vous dis qu'ils sont sur le point, si je vous dis qu'un de leurs méga hits, c'est Leader of the Misled, leur premier album, c'est Lost in City Lights, vous me dites, oh my God, c'est The New City! Tout le monde, on se lève debout right now. Comment? Je vais pas voir la scène. Ça se peut pas, c'est illégal. Tout le monde, hop. Je vois du monde qui danse, moi je risque de bouger un peu, je suis comme ça, je me laisse tout le temps aller. I cannot forget those days. Empty like my feet were stuck in concrete, locked into a lot of light. Where everything I'd see was fun and vision. Just when this story seems to end, our world expands and then extends. Even if my words are fake, you will always hear me say. Walked into another mess, cause I can never turn down from possessions. Just when our story seems to end, you've gone and done it all again. Even if my words are vain, you will always hear me say, is this a chain reaction? Let's not fight it. Makes it easy to explain. What's down the proof? It's all the same. Living in the past that you know will never last, but you will always hear me say. Tell me more, why keep moving around? We both know there's no way. Tell me how we become the leaders of the misled in the end. Wah, 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 wah
Merci beaucoup. New Cities! New Cities! Merci les gars! Merci! Elle, c'est notre Lady Gaga du Carve. Et lui, il a défendu son titre contre Chad Dawson. Il est notre champion du monde des poids mi-lourds. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Émilie Bégin et Bonsoir, Émilie. Bonsoir, tout le monde. Hey, tout d'abord, Jean-Pascal, je voulais te féliciter pour ton titre de champion du monde. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment très flatté par votre accueil. Merci beaucoup. Cependant, ce soir, ce n'est pas moi la vedette. Nous avons un trophée à remettre, n'est-ce pas, Émilie? Oui, dans la catégorie « Meilleur film », quand ma dernière heure sera venue et que je verrai défiler le film de ma vie, je veux que ce soit celui-là. Les nominés. Oh! Tu veux-tu un peu de popcorn? Ah, ben oui, je pourrais en prendre un peu. Je suis en diète, alors. Okay. Ça fait bon. Tiens, je te laisse ça. Les nommés sont 2012... Le journal d'Aurélie Laflamme. De père en flic. La saga Twilight, Tentation. Et Avatar. Oh. Et le gagnant est... Besoin d'aide, Émilie? Non, je vais y arriver. Je vais regarder. Oh, la saga Twilight! Yeah! On va regarder un petit vidéo que nous a préparé Mélissa Paradis. OK, aujourd'hui, c'est jour 46, genre de Kristen Stewart. Donc, en ce moment, je suis en train de la suivre. Je vais essayer d'y remettre le trophée en main propre. Oh, c'est Karen. Hi, Karen. Can you do me a huge favor? Can you actually give that to her for me, please? That means no? Elle vient juste d'embarquer sur l'autoroute. Direction la 13. J'étais si proche du but, puis la rentre dans une grosse maison privée. Je suis rentrée dans les bois, puis là, je vois les roulottes de Kristen. Puisque c'était impossible pour moi de rencontrer Kristen Stewart avec tous les efforts que j'ai donnés, je vais demander à Michel si c'est possible de lui d'y remettre en main propre. Oui, ça va me faire plaisir de lui remettre son trophée. Chanceux de l'avoir. Yann, je tiens à mentionner que, bon, ça fait longtemps qu'ils sont ici sur la scène, mais j'aimerais dire un gros bonjour, tiens, à tous les jeunes qui sont sur la scène. Allô! Merci d'avoir été là! Section VIP! Oui. Oulala. Après la pause, on rend hommage à nos chouchous. Gala 2010. Cette année, on a décidé de rendre hommage à deux de nos grandes personnalités, tant masculines que féminines. Je vous dis, Shelly, ça va-tu, Shelly? Tout va bien. Ça va. Bien. Je te laisse tirer. Viens-t'en. Ouais, c'est pas plus bon, lourd, hein? On y va. OK. Ouais. Oh, ça tombe un peu. OK. Veux-tu nous présenter la personnalité masculine? Oui, absolument. Ben oui, parce qu'écoutez, c'est... celui qui nous a fait rire, hein? Il fait rire le Québec en entier. C'est la personnalité masculine ayant reçu le plus de nominations depuis les débuts du CAR. Donc, naturellement, on remet le trophée à Louis-José Hood! Mais bien
là. Par contre, il y a un beau message pour vous. Merci beaucoup à tous. Je suis très touché par celui-là, particulièrement parce que je me rends compte que j'ai les mêmes abdominaux que la statuette. Merci de me supporter, de m'avoir donné le plus grand nombre de nominations. Bonne fin de soirée. Oh, puis tu vois, en arrière, c'est toute ma famille qui sont venus voir mon spectacle. Bravo à Louis-Josée! Et maintenant, pour notre personnalité féminine, vous l'aimez, vous l'adorez, vous connaissez toutes ses chansons par cœur. Ah, elle a de l'énergie à revendre. C'est elle qui a reçu le plus grand nombre de nominations depuis les débuts du quart de l'Antigala. Votre Marie-Mé! C'est vraiment fou. Je me compte chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. Je vous fais une promesse ce soir, là. Je vais continuer à donner mon 110% sur scène. Je vais continuer à sauter partout, à me rouler sur la scène. C'est une promesse, une promesse. C'est drôle parce que, là, quelques années, c'est moi qui étais à votre place, puis j'avais un rêve dans la vie. Je voulais devenir chanteuse. C'était ma seule passion. Puis je veux que vous sachiez, je me répète, là, mais c'est grâce à chacun d'entre vous si je peux vivre de ma passion. Donc, merci beaucoup. Je vous dois tout. Je vous aime. Petit prix spécial ce soir. Après 34 spectacles de sa nouvelle tournée version 3.0, Marie-Mé a vendu plus de 25 000 billets. Ce qui te vaut un billet d'argent certifié par la disque qui t'est remis par tes musiciens de la part de ton producteur. L'Antigala. J'en reviens pas que c'est déjà fini. Oui, je sais. OK, mais il faut remercier plein de monde. On est pas possible. D'abord, la troupe de danse du Carve, hein, quand même. Il y aura tout ça en deux jours. C'est très impressionnant. Sous la direction, bien sûr, de Geneviève Corriot-Coupal avec l'aide de Kim Gingras et Robert Knowles. Merci aussi à Vrac TV d'avoir créé ce merveilleux gala depuis 7 ans. Merci, oui. Vrac. Et maintenant, merci à vous autres ici dans la salle. Merci à vous, tous les jeunes à la maison, d'avoir voté en si grand nombre. Vous êtes extraordinaire, on vous aime. Mais maintenant, on va quand même pas se laisser comme ben ça. Non. On va se laisser en chantant et en dansant avec Do You de Marie-Mé! Shiny canvas, the precious. You were taking your time for service, showing all the right sides. On the next day you were so sure, you don't let me know. Fatal to the forehead and you stop. I'm looking at my feet. If you say yeah, do you mean it? Or are you really on the do you, 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 do you,
vous aime tellement. Do you? Chantez-la avec moi. Rogers est fier de t'avoir emmené aux premières loges de CARF, l'Antigala 2010. CARF, l'Antigala 2010 vous a été présenté par Yop. Yop, oui, quand le matin chante. Cette émission vous a été présentée par Street Dance 3D. Au cinéma, le 1er octobre.